Là, on a Coco. Tyrone qui va sortir Coco. Donc, comme vous voyez, Coco, il est habitué à Tyrone. Il le suit partout. Du coup, il va faire son premier avec cet enfant. Et croyez-moi, on a accéléré le dressage. Hein. C'est-à-dire, on a fait ça vite fait, bien fait pour voir ce que ça va donner. Là, je lui ai dit de poser Coco et d'avancer. Et regardez, Coco, il le suit. Coco, il le suit même par terre. C'est-à-dire qu'il ne monte pas forcément sur lui, mais au moins, voilà, il reste à côté. Vous voyez, on dirait que c'est son oiseau. Et je vous assure que la connexion qu'il y a entre les deux, elle s'est créée toute seule. C'est Coco qui est venu vers Tyrone. Du coup, bah, on va faire sa première séance de vol et c'est Tyrone qui va la faire. Moi, je n'ai pas le pouvoir sur Coco. Il faut savoir que Coco, quand je m'approche ma main, il ne veut plus de moi. Je pense que c'est à force de l'attraper, de le mettre en cage, de le transporter au centre. Il n'aime pas, du coup, bah, je laisse Tyrone prendre le relais. Donc là, on sort, voilà, Coco, il est là. Vas-y, fais le volet, Tyrone. Oui. Donc là, Tyrone, il va poser Coco sur la barrière et il va partir. On va voir s'il va le suivre. Vous voyez, il l'a suivi tout de suite, tout de suite. Vous voyez, il s'envole. Bon, là, les autres, ils l'ont gêné, mais je vous assure que depuis tout à l'heure, il revient sur Tyrone. Il n'arrête pas de le regarder, je vous assure, je le vois d'ici. Oh non, 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 j'ai pas pu filmer parce qu'on voit sa tête au petit. Je vous assure qu'il a réussi à faire voler Coco. Regardez, Coco, il est revenu là, alors qu'il était sur l'arbre. En fait, ce qui dérange Coco, c'est les oiseaux. Deux Pommes et Paco, ils l'embêtent en volant. Mais depuis tout à l'heure, je vous assure que Coco, il revient vers Tyrone. Mais vraiment. Regardez là, Tyrone, il est là. Coco, il est en haut. Je vous assure qu'il va revenir sur son épaule. Le problème, c'est comme je vous ai dit, hein, Paco et Deux Pommes, ils veulent voler avec lui, du coup, ils le gênent. Du coup, il remonte sur l'arbre. Mais après, voilà, c'est son premier jour de sortie à Coco. Il faut être indulgent. Mais c'est un bon. Bah, Coco, il n'est pas redescendu. Hein. Il va redescendre après. Tyrone, t'es déçu ou ça va? Ça va pour un premier jour. Ça va. En fait, il faut savoir que Coco, il est revenu. Mais il y a des fois où je filmais la tête de l'enfant, du coup, je supprimais la vidéo. Bon, bah, il est revenu. Hein. Ça a marché? Ouais. Après, bon, on a Deux Pommes qui est déjà dehors. Paco, comme d'hab. Morito, juste aujourd'hui, je ne l'ai pas sorti. Elle est où, Tropi? Elle est en? Ah, elle est sur le toit de l'école. Ah, il y avait les corneilles qui l'ont embêté. Tropi! Je vous ai dit, ça a marché pour Coco, il est là, il était avec mon petit. Donc regardez, je vais vous remettre pour ceux qui veulent faire voler leurs oiseaux, je viens de vous prouver que c'est vrai. Je viens de prouver que ma technique, elle marche. Comment? Avec Tyrone. Coco, il n'est pas habitué à moi, il a peur de moi. Bon, regardez, quand je veux le prendre, il part. Vous voyez? Alors j'ai vu qu'il y avait une interaction avec le petit, je lui ai dit, écoute, c'est toi qui vas le dresser, c'est toi qui vas le faire voler. Vous avez vu, ça a marché. Ceux qui veulent faire voler leurs oiseaux, je vous mets mon Instagram une dernière fois, après je ne le mets plus.